στα ιδέα μου πάρα πέρα. Νομίζω ότι είναι βιβλία σε πόρτο γράμμα. Θέλω να ριάκτη και στήλει. Άλλα θέμα. Σε άλλα που σου νό, at least the basis of the Il faudrait qu'à chacun de vous sache au moins la base des racines dont vous venez. En général, non. The oldest culture in the world. Long before Egypt, Greece and Estonia. Il faut savoir que l'Inde, c'est la culture la plus ancienne au monde, bien plus ancienne que l'Égypte, la Grèce ou la Mésopotamie. Estonia. Even before the Estonia. Et même avant la Mésopotamie. The culture of Ganges, the culture of Rishis, the Indian culture has started. La culture du Gange, la culture des Rishis, la culture des sages, elle a commencé bien avant la Mésopotamie. Now the status are saying it's at least a million year old. On pense que c'est une culture qui a au moins un million d'années. Because the constellation which happened on the in the sky million years ago, that is clearly described in Vedas. Parce que dans les Vedas, on trouve la description des constellations dans le ciel il y a un million d'années, comme elles étaient. Unless they have seen the constellation, they cannot describe it. Precisely, it is described in Rig Veda. Si à l'époque, il y a un million d'années, ces gens n'avaient pas vu clairement cette constellation, ils n'auraient pas pu la décrire ainsi dans le Rig Veda. Rig Veda is one of our books. Le Rig Veda, c'est un de nos textes, de nos livres. Just like the Christians have got Bible, Hindus are Indian cultures from Rig Veda. De même que les chrétiens ont la Bible, notre culture indienne, hindoue, vient du Rig Veda. So in that they are very clearly describing the constellation which happened 1 million years ago. Et dans ces textes, on trouve la description exacte des constellations telles qu'elles étaient il y a un million d'années. Above all, the important fact is, it is the Indian culture which gave the inner science to the planet Earth. On pense que c'est la culture indienne qui a donné la science intérieure à la planète Terre. La science intérieure vient de l'Inde. The beauty of Indian culture is, it always upholds peace. Peace. La beauté de la culture indienne vient du fait qu'elle est toujours en faveur de la paix, de la paix, de la paix. Never, not even once, Indians have gone for war to invade other countries. Jamais, même une seule fois, l'Inde n'a envahi ou fait la guerre à un autre pays. The country lives in peace, breathes peace, and shares peace. C'est un pays qui respire, qui vit dans la paix et qui partage la paix. So it is the message of the inner peace and the healing and the bliss is the greatest gift from the Indian culture. Et le plus grand don de la culture indienne, c'est ce message de paix intérieure et de félicité. You all must be aware and proud of the root and the culture from which you are coming. Vous devez être conscient et fier de la culture dont vous venez. And the great inner science, see, the West put all their energy in the outer science. Vous voyez, l'Occident met toute son énergie dans la science extérieure. But in the East, the India, our forefathers have put all their energy for the inner science. Tandis qu'en Inde, nos ancêtres ont mis toute leur énergie dans la recherche de la science intérieure. After some time, the wealth or the money which you created has no use. Après un certain temps, la richesse ou l'argent que vous avez créé ne sert à rien. It has got only limited use. Son usage est très limité. And that also only in this life. Et ça ne dure que pendant cette vie. But the rishis have developed. Rishis have spent their energy to achieve something beyond death. Alors que les rishis, les sages de l'Inde ont développé quelque chose qu'on peut accomplir au-delà de la mort. Even when they are living, they achieve a high level of consciousness. Et même pendant leur vie, on atteint un niveau élevé de conscience. Which is far more higher than
joy or ecstasy which is given by any money. Et cette, ce bonheur est bien plus élevé que toute l'extase que peut vous donner l'argent. The ecstasy of the inner bliss or meditation is far more higher than the joys which can money or outward things can give. La joie que donne le soi intérieur qu'on attire en méditation est bien plus, est bien supérieure à toute la joie que l'argent peut apporter. And not only when you are living, even after death, you will be able to carry this joy and bliss and ecstasy. Et cette joie, cette félicité, cette extase, vous allez non seulement la voir dans la vie, mais vous la transporterez après la mort. Our Vedic seers are the only people who created something to carry even after death. Nos sages des temps védiques sont les seuls qui ont créé quelque chose que nous pouvons transporter même après la mort. They are the only people who worked to achieve the life beyond death. Ce sont les seuls qui ont travaillé pour la vie après la mort. It is time for all of you. You all have enough of outward material comforts. Now it is time for all of you to turn inward and achieve the inner treasures also. Vous avez tous assez de confort et de bien matériel. Le moment est venu maintenant de vous tourner vers l'intérieur pour trouver le trésor qui est en vous. You are original, you are precious, which belongs to your forefathers. Vous avez un trésor qui appartenait à vos ancêtres. It is your forefathers' treasure, which I have brought to you again. Je vous suis venu vous ramener le trésor de vos ancêtres. Meditation is your own forefathers' property, your own forefathers' treasure. La méditation, c'est le trésor et la propriété de vos propres ancêtres. Whole world is enjoying. You also should enjoy. Le monde entier s'en profite, vous devriez en profiter aussi. So do not miss your property. You have a right on meditation. Ne perdez pas ce qui est à vous parce que vous avez le droit à la méditation. It's your birthright. C'est votre droit de naissance. It is the greatest gift given to the whole humanity by the Indian seers and rishis. C'est le plus grand don que les sages et les rishis de l'Inde ont donné à toute l'humanité. Indian saints, millions and millions of saints have dedicated their life to create and develop this science. Des saints indiens, des milliers de sages ont consacré leur vie. Millions of saints have given their life to create and develop the science of the inner world. Des milliers de saints ont consacré leur vie au développement de la science du monde intérieur. How scientists have spent their life doing research in the outer world. Nos saints n'ont pas consacré leur vie à faire des recherches au monde extérieur. Same way, our rishis have spent, saints have spent their whole life doing research in the inner world. Eux, ils ont fait la recherche dans le monde intérieur. So, just like how scientists have created formulas to reproduce, for example, to make a component, they have a formula. After a long research, they have created a formula. You just follow the formula, you can create a component or that product. La science a étudié comment créer des composants ou des éléments à partir de la formule chimique. Et de la même manière, les sages ont travaillé à l'intérieur. Same day, the rishis, our saints, after spending lives after lives, they created a formula to achieve inner peace, bliss and joy. Après plusieurs vies de recherche, les sages de l'Inde ont découvert des formules qui permettent de trouver la joie à l'intérieur. That formula only is called as meditation. Cette formule s'appelle la méditation. It can create physical health, mental well-being, above all, the beautiful interpersonal relationships. Ça peut vous donner la santé physique et mentale et surtout vous permettre d'avoir de très belles relations. And naturally, it will create tremendous intelligence in you. Your creativity will simply fly. Et cela va créer en vous une intelligence telle que votre créativité va s'envoler. Now the modern day researchers in so many universities are proving meditation improves the physical health and gives you the mental well-being. Above all,
tremendously increases the creativity of human beings. Et les universités commencent maintenant à faire la preuve que grâce à la méditation, on a une meilleure santé physique, un meilleur état mental et surtout l'amélioration de notre créativité. The Times Magazine says at least 25% of Americans are doing meditation in their life. D'après le Times Magazine, 25% des Américains pratiquent une forme de méditation dans leur vie. Give it clear. Now all the countries which have seen the extreme growth of the outer world, they are turning towards the inner world. Donc comprenez bien que tous ces pays qui se sont beaucoup développés matériellement, extérieurement, sont en train maintenant de se tourner vers le monde intérieur. Because after some time, the outer world will give only depression. Parce qu'après un moment, ce que le monde extérieur vous donne, ce n'est que la dépression. So it is time for all of you to turn inside and achieve the inner pressure, the joy, eternal bliss, Nityananda. Et donc le moment est venu pour vous tous de vous tourner à l'intérieur, de découvrir cette trésor intérieur et de découvrir cette félicité intérieure qu'on appelle Nityananda. I welcome you all and invite you all to come and attend all the evening programs and meditate, experience the inner pressure. Eternal bliss, Nityananda. Thank you. Je vous remercie tous et je vous invite encore une fois à venir à ce programme de méditation pour apprendre comment jouir de la félicité intérieure, de la félicité éternelle qui est Nityananda. Thank you. Vous êtes libre de poser des questions. Pendant les trois jours, oui. Samedi, dimanche et lundi, il va faire quoi? Il va enseigner la manière de faire de la méditation. Mm-hmm. Mais est-ce que ça suffira après? Est-ce qu'il y aura autre chose après? Avec ça, vous pourrez continuer. Ça suffira pour continuer à faire la méditation. Is this enough to continue meditation? Yes, oui. That is enough. I'll be giving them one meditation technique, each technique, and continue in their life. Il va vous donner une technique de méditation pour vous pouvoir utiliser toute votre vie. That you can probably do 7 meditations. Il y a au moins 7 techniques de méditation. In these 3 days, there is one meditation which can even continue and practice in their life. Mais pendant ces 3 jours, il va vous apprendre une technique que vous pouvez garder et utiliser. Pourquoi le choix d'un ashram aux États-Unis plutôt qu'en Europe? Why are they having ashrams in the West in the United States? To spread his teachings, it has to spread all over the world. It belongs to one person. It belongs to the whole world. Cet enseignement parti au monde entier, il faut le répondre. And you have an ashram in Guadeloupe also. Can you have an ashram? C'est la propriété du monde entier, la méditation. It has to spread all over the world. And already we have 400 centers in 20 countries. Il faut que ça se répande dans le monde entier et nous avons déjà 400 centres dans plus de 20 pays. So now it's the 21st country. I'm here. Je suis dans le 21e pays. So tell them, it belongs to the whole world. It is going to spread all over the world. Si on partit au monde entier, il faut répondre dans le monde entier. Because the humanity has come to the level now they are not ready to stop with the science because it leads only to more and more division and problems. Le monde est arrivé à un point où elle ne peut plus s'arrêter avec la science qui crée beaucoup de divisions et de problèmes. The moment quantum physics has come, scientists are very clear that the science cannot explain everything. On arrive à un point où la science ne peut pas, les savants disent qu'ils ne peuvent pas tout expliquer. So after quantum physics, the whole West, the whole scientist world is turning towards the mystics. Donc maintenant le monde occidental et les
Les savants de l'Occident se tournent maintenant vers les mystiques. Now it is the age of spiritual masters. C'est l'âge des maîtres spirituels qui est arrivé. Only enlightenment can answer all the questions of the world. Il n'y a que l'illumination qui peut répondre aux questions du monde. The age of the science is over. L'âge de la science est terminé. Now it is the age of quantum spirituality. Maintenant c'est l'âge de la spiritualité quantique. So naturally, wherever universities are there, wherever educated beings are living, wherever civilized human beings are there, in all those places we will have ashrams. Et donc partout il y a des universités, partout il y a des gens qui sont intellectuels, partout il y a des gens qui étudient, nous allons mettre des ashrams. Oui, je voulais savoir de quelle tradition spirituelle tu serais faire. The beauty of Vedic culture is it is not organized. It is not an organized religion. It is not an organization. La beauté de la culture védique, c'est que ce n'est pas quelque chose d'organisé. Ce n'est pas une religion organisée. Of course, I can tell my organization, and I can tell my structure from which I came, but the Vedic religion emphasizes more on the experience, not on the structure of the organization. Mais bien sûr, je peux donner la trace de ma lignée ou de ma structure. Mais la culture védique ne met pas tellement l'accent sur l'organisation, mais sur l'expérience qu'on fait. Of course, I can tell you just by say, I belong to Shankara Parampara and Nirvani Akada Puri Sampradaya. Donc, je peux vous dire que j'appartiens à l'ordre de Shankaracharya. Shankaracharya. Is the Adi Shankaracharya. Adi Shankara, qui a créé. He created a 10 order. Qui a créé les 10 ordres monastiques. In that dasana, in this part, dasanami. Je l'appelle Dasanami. In that one order Puri. Dans cet ordre. In that one order Puri. Dans cet ordre, il est dans l'ordre de Puri. I belong to that Paramahansa. J'appartiens à ce Paramahansa. So I'm called Paramahansa. C'est pour ça qu'on appelle Paramahansa. Pour une personne, c'est une discipline impersonnelle. C'est-à-dire que c'est une question simple. Dans la tradition des Védas, il y a plusieurs branches, plusieurs directions. Est-ce que c'est la tradition de Shankaracharya, donc c'est impersonnel. Alors, are you personal or you belong to the family of Shankaracharya? There are many branches in the Vedic culture. You see, in my time, it's about the spirit of your spiritual movement in Shankaracharya. The Adi Shankaracharya created 10 lineages. Adi Shankara a créé 10 lignées. Et il appartient à la lignée Dasanami. In the Dasanami, one parampara, one lineage is called Puri. Et dans cette Dasanami parampara, il y a une lignée qui s'appelle Puri. In that Puri, I belong to that Puri lineage. J'appartiens à cette lignée Puri. Donc c'est la lignée du Vedanta. Et c'est la lignée de Puri. Mais je lui demande, est-ce qu'il est dans une lignée discipline?